Bon, sinon, j'ai testé, tout est nickel niveau son, tout va bien. On va juste récupérer les PV. Hop là, voilà. Allez, c'est reparti. On va tirer dessus. Ah oui, les petits monts de charge. Putain, handicapé simulator. Monsieur Blazkowicz, je suis très heureux de vous voir réveillé, mais beaucoup moins Anya, de vous voir debout. Où est-elle? La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec Caroline en train de défendre l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Montrez-moi la direction, Seth. Ingle, vous savez que vous avez passé 5 mois alité? Votre corps est brisé. Vous comprenez? Vos reins ne fonctionnent plus. Vous allez avoir des problèmes pour uriner, utiliser votre schmeckle et pour plein d'autres choses. Moi, juste... C'est Frau Engel. Elle vous suit à la trace. Elle a remué ciel et terre et aujourd'hui elle vous a trouvé. Les nazis sont entrés dans le sous-marin. Il y a beaucoup de blessés et de morts. J'ai été séparé des autres. Je dois y aller. Non. Non. Akminishkan Shining, je vous ai dit non. Aidez-moi à trouver cet ascenseur. Vous n'êtes qu'un hoch. Un vrai hoch. Bon, écoutez. Il y a des tas de nazis entre ici et l'ascenseur, mais j'ai posé plusieurs pièges et je n'ai pas eu le temps de les activer. Regardez, c'est une carte qui indique où se trouvent les pièges. Utilisons-les contre ces vers 4 fascistes. Ok, ok, fais attention. S'il vous plaît, essayez de ne pas vous faire tuer. C'est parti. Vous vous trompez. Ce n'est pas vous qui me traquez, Frau Engel. C'est plutôt moi qui vous traque. donc vous avez reconnu, c'est la boîte de Bruce Willis. Je sais pas pourquoi ils ont pas repris notre bon vieil ancien... une voix, hein. Bon, beaucoup de gens ont gueulé parce que l'ancienne voix avait plus de charisme, apparemment. Savoir. Lol. Où que tu sois, va jusqu'au bout pour garder les autres en vie jusqu'à ce que j'arrive. Allez, paf! Même en fauteuil roulant, je tue tout le monde, c'est un truc de dingue. Bon, allez, on avance. Tout.
Ça aussi c'est chiant, on avance à 2 à l'heure. Fauteuil roulant quoi. Allez, bah là en plus c'est pas la meilleure partie, hein, je vous le dis, hein. La meilleure partie c'est pour après. On va quitter ce putain de fauteuil de roulant de merde. Voilà. Coquino nene ta ta ta. Bra 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 bra. Ta 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 ta. Ah, j'adore les tuer avec les pièges. Hop là, les lettres. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Il y a plus de trucs à ramasser, j'ai l'impression, dans ce Wolfenstein que dans l'ancien. Allez, on coupe le piège pour pas se faire transformer en merguez. Hop là. Bon là c'est sûr, on peut pas faire furtif. Là, voiture qu'il est bien mort. Coquenoun de ta ta. Là, c'est bon. Allez, on descend. Lui il l'aura pas volé. Ah, mon fauteuil roulant. C'est parti. Ignore la peur. Essaie de trouver un moyen d'inverser la courroie et rejoins l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Elle est kiffante, la MP40 du futur. Tout.
Ah, maintenant on peut lancer des grenades, génial. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'on lance des Pokéballs parce qu'elles sont pas très jolies, les grenades. Par contre, elles vont faire mal, hein. Je vous préviens, ça va être très utile contre les soldats blindés. Ah merde, j'aurais pu le faire en stis. Wow, il en éclata un crâne contre une la tuyauterie. Bon. Ah tiens, je me rappelle plus ce qu'il y a par là-bas. Un peu trop chaud là. Ah, oh, faut que je me calme là. Je peux aller voir ce qu'il y a par ici. Hop là. On avance, on avance. Pas des munitions. Ça c'est bien fait hein. Par contre c'est les visages des cinématiques, ils étaient mieux faits dans le 1 j'ai l'impression. Là, un petit casque. Y'a rien derrière. Hop là. J'ai un peu trop, ouais, je suis allé un peu trop vite. Hop là, des PV. Alors maintenant le fauteuil roulant, faut inverser le sens. Ok, courroie inversée. Et c'est parti. William,
J'ai prié pour que tu te réveilles. Je suis un pharaon. Ne sois pas idiot. Bon. Il faut te relever. Tu as pris beaucoup de poids. Seth pense qu'on aura des jumeaux. Pas maintenant, Kindala. Vous aurez le temps pour Schmutzerei si vous survivez. Pour l'instant, il faut vous emmener dehors, sur le pont. Allez, sur le pont. Attends, William. Jackson, Max! Jackson, tire! Tu tires bien, Max. Souris! Caroline. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! Loslassen! Sigrun! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah! Das weißt du nicht? Die da! Abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübung nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten! Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Dumme Kuh! Ist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, warte ja ein! Das ist nicht mal eine Backpfanne wert! Er ist da oben! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, vor ihm, Männer. Ich will la tirer dehors. Fais gaffe. Je m'adresse aux terroristes et assassins. William Joseph Blazkowicz, qu'on appelle aussi Blazko le Marché. J'ai l'intention d'épargner la vie de tous ceux qui se trouvent sur votre navire si vous vous rendez. Les portes sont ouvertes! Venez seuls! Je suis demandé, on dirait. N'y va pas, William. Ils détiennent nos amis. Notre sous-marin est pris au piège, on ne peut rien faire. Vous avez raison. Mais une fois là-haut, vous devez trouver un moyen de libérer le sous-marin. Je ne veux pas te perdre. Tu es faible, William. Tu n'es pas en état de te battre. Je trouverai un moyen. Tressa ! Halt ! Tu comptes nous renverser avec ta petite chaise roulante ? Comme c'est amusant. Le cerveau de la résistance rampant comme une vermine. Oh, Blazkowicz, tu es réveillé? Oui, plus ou moins. Je suis venu te chercher. Comment sens-tu, Caroline? Je ne sais pas comment elle nous a trouvés. J'ai merdé quelque part. Elle est remontée jusqu'à nous. J'ai tout foutu en l'air. Alors comme ça, on se prend pour un héros, William Joseph Blazkowicz. Relevez les clopés.
Je vais te dire un truc. Tu n'as rien d'un héros. Il n'y a que les rats dégénérés des bidonvilles pour t'admirer. La lie de l'humanité croupissant dans le ghetto. Mais tout ça changera dès qu'ils t'auront vu. Je devrais te montrer à la télé à travers le monde entier. Franchement, me dites pas que c'est un sac qui ressemble à un héros. Un misérable cafard qui pisse dans un tube. Tout le monde verra bien quelle arnaque tu fais, toi alors. Lâchez-le. Tu sais que la résistance ne s'incline jamais. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Arrêtez! Pour l'amour du ciel, arrêtez! Sag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversion und verräterischen Worten funktioniert. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Page après page, tu déverses ton esprit malade pendant que ton corps fond cette graisse, on dirait un faux marin. Tu ne comprends donc pas la position dans laquelle tu m'as mise? La loi m'oblige à te dénoncer. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Baker, leader du cercle de Kreisau. Cerveau du groupe criminel. N'abandonne jamais Blazkowicz. Ne les laisse jamais gagner. Je ne crois pas. Je pense que... tu n'es rien d'autre... qu'un... Caroline! Vous avez vu ça? Übermacht den Meister! Regardez ça! C'est tellement étrange! Elle était là, il y a juste un instant, et maintenant plus rien! D'après vous, est-ce que ses yeux se sont un jour remplis d'amour pour quelqu'un? Un baiser, mon cher? Das ist nicht komisch! Willst du auch ein Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen. Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Du wirst verlieren. Und nun? Zu dir. Hey. C'est un de tes amis aussi, non? Non, ça suffit. Maintenant. Mutter, bitte hör auf, es reicht. Aus dem Weg. Nein. Monsieur. Capitaine, faites ça.
Oh, franchement, moi j'avais éclaté de rire à ce moment-là. Donc Caroline vient de se faire littéralement décapiter devant nous, alors que on l'avait suivi depuis un bon bout de temps, depuis même Wolfenstein 2009 pour les anciens. Donc malheureusement, elle est morte de façon peu glorieuse. Donc j'ai... Excusez-moi si je parle en même temps, mais je voulais juste vous dire un truc important, c'est que j'ai, au début j'ai choisi la version Wyatt, mais la première fois que j'avais lancé le jeu aussi, j'avais choisi la version Wyatt et il m'avait mis Fergus. Donc les deux c'est différent, donc Wyatt là, je viens de remarquer qu'il s'est fait couper l'oreille, alors que Fergus lui, il se fait couper le bras. Comme vous pouvez voir dans le trailer, hein, ça, dans les trailers, Fergus lui, il aura un bras mécanique et Wyatt, je crois, il prend du LSD pour mieux entendre parce qu'on lui a tranché une oreille. Bon, maintenant qu'on a un exosquelette, on n'a plus besoin de fauteuil roulant et on va tuer tout le monde. Je suis désolé pour votre... Mais je pensais juste... C'est pas le moment de péter des plombs, Wyatt. J'ai besoin que tu sois à 100%. Alors... On peut faire beaucoup de choses avec une hachette. Donc la fameuse hachette, ça va remplacer les couteaux de lancer en plus. Donc la plupart des armes, elles ont changé de cara design. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais moi ça me dérange pas. Bah déjà la MP, la STG 44, elle ressemble un peu plus à une STG 44 du futur. Caroline, tu me reçois? Avant que tu n'ailles là-haut, je t'en prie, veille sur nos hommes. Moi, je m'occupe de ça. Hop là. Le pistolet. Hop là. Par contre, j'ai pas encore trouvé le silencieux sur le pistolet, peut-être qu'ils me le donneront quand ce sera la Nouvelle-Orléans. Ah, les assassinats silencieux. Comme on nous a appris pendant les classes, éliminer les commandants en premier. Ah, Général Engel. Bitte bestätigen Sie die Anzahl feindlicher Züge. Hop là. Oh bah merde. J'ai foiré. Hop là. Odin, système de sécurité automatisé. Hop là. Ah oui, j'ai remarqué aussi maintenant, c'est sur les généraux qu'on trouve des documents maintenant. C'est un peu dommage puisque du coup ça nous fait moins chercher.